sortent de la bouche comme un couteau. Attends. Ah! Ça goûte le blanc gelé. Bouge pas. De la vraie boîte. Mais non! T'aimes juste un petit peu là. La jeune fille à la page. Mmh. On dirait une pondière de poule. Non, j'aime pas ça, c'est mal étendu. Oh ben, mon oncle Pierre-Paul, lui, il trouverait ça bien beau. Lui, ça prendrait une suce de misère. Trempé dans le foie de morue. Tiens, essaye donc celui-là. Ça, là, c'est pas plus rouge que le Sporting Pink. Mon. Oh oui. Oh, je le comprends, mon oncle Pierre-Paul, tu sais. C'est assez belle. Je sais pas comment ils nous voient, les hommes. Toujours le même horizon. C'est pas compliqué. Faut voir que souvent, ils nous verront pas pantoute. Ils voiront toujours ce qu'ils veulent voir, Colette. La guerre puis la couchette. Pas beaucoup plus, me dire. Ben, pas tous quand même. Il y en a qui sont différents. Des fois, je me demande. Ben, pense à Émile. Il met juste les aéroplanes, lui. Ça n'a pas de doute à part les aéroplanes. Il n'aura jamais vu personne. Alors, lutte mon point, toi, là. Je sais pas où il est rendu, hein, Émile. Ben, il doit pas être loin de l'Angleterre, là. Si rien n'est arrivé. Il arrivera rien, Émile. Avec les aéroplanes pour le perdre, rien d'autre. Confondez-vous pas. T'ennuies-tu des fois, toi aussi? Je connais ma classe, Colette. Hein? Je connais mon rang. Michel? On t'essaye du rouge à lèvres. Tu vois pas, ces affaires-là, c'est des affaires de filles, ça. Ben non, pourquoi les gars, ils s'aideraient pas, ils sont avec. Aïe! Yes, eux, avez-vous fini? Arrêtez! 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 Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tes vieux bâtons de rouge à lèvres. Je les ai ramassés l'autre jour quand t'es acheté. C'est pas pour les filles de ton âge, Colette, tu sais ça. Maman, c'était pour rire. C'est pas des jeux. Puis toi, ma fille, je t'aurais cru plus raisonnable. T'es la plus vieille. Excusez-moi, madame. Je croyais pas mal faire. Michel, va te débarbouiller. C'est rapport à Émile. Je suis monté au 11e, après mon chiffre. Et puis, j'ai parlé à Maurice. Il m'a donné ça pour toi. C'est une lettre pour l'organisateur de Bayargent. Les femmes intelligentes sont trop rares pour que l'Union nationale s'en prive quand t'en trouves une. C'est ça qu'il a dit, Maurice. A été chanceuse. Ça paye travailler pour les élections. Puis après ça, tu rentres au service civil comme une cuillère dans la soupe. Non, ton affaire est ketchup, Marie. Inquiète-toi plus de rien. Non, il m'aime, Duplessis. Tu restes une table de rouge, mon popol. Comment ça se fait? Comment ça se fait que t'es pas plus pourri que ça? Il est parti à rire, puis il m'a donné 2 piastres de type. Et puis c'est moi qui venais lui demander une faveur, tu sais. Il m'aime. Mais je connais pas ça, la politique. À quoi tu penses? Mais t'as pas à t'inquiéter de rien. Ils vont te dire quoi faire. C'est pas simple comme ça, Pierre-Paul. Tancrède, je peux vous voir une minute? Parle-y pas de ça, là, il va tout te mêler. Oui, qu'est-ce que c'est? En quoi puis-je vous être utile, Marie? On me propose un travail pour l'Union nationale. Quel travail? Pour l'élection, ici, dans Québec-Ouest. Ah, vous ne pouvez pas, Marie. Mais, my God, ce serait une sottise.
Une véritable déchéance, vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas sérieusement. Déchéance? Quelle déchéance? Travailler pour le premier ministre, c'est une déchéance? Mon brave, ce n'est pas avec vous que je discute, n'est-ce pas? Marie me demande un conseil, c'est à elle que je parle, all right? Mais Marie, comment voulez-vous? Vous qui appartenez, ben, disons le mot, à une certaine classe, comment voulez-vous? Comment pouvez-vous entrevoir, ne serait-ce qu'un instant, de vous retrouver dans les cavernes enfumées des turpitudes électorales? Châtel, discute pas avec lui, je t'avais dit... Votre fardeau est immense, c'est vrai, mais ne sous-estimez pas notre dévouement. Dévouement, dévouement. La banque, eux autres, ils prennent pas de ça, des chèques de dévouement. Il faut que je prenne mon sort en main. Il faut bien que je finisse par faire quelque chose. Udo ne peut plus retenir les créanciers. Vous pouvez pas régler mes problèmes, mais vous pouvez peut-être m'aider à y voir clair sans vous chicaner, hein? Comment, Pierre-Paul, comment est-ce que je pourrais travailler en politique? Peux-tu me le dire? Je connais rien de rien. Mais va voir, tu le sais pas. Tu vas peut-être juste coller des enveloppes. Tout ce que ça prend, c'est une langue. Non. Après ta journée, t'as plus faim pas en tout. Ça te fait une économie de plus. Non, écoutez, Marie, écoutez-moi. Vous êtes l'âme de cette demeure, my God, mais c'est tellement plus important que la politique ou que l'argent. Alors, ne nous privez pas de vous. Hier, j'ai écrit à Desrosiers, le sous-ministre de la Défense. Je lui ai confirmé mon intention de reprendre du service actif, mais j'attends son téléphone. Ma solde suffira, Marie, et je serai trop heureux de faire cela pour vous. Et vous, mon brave, vous compléterez si par malheur ça ne suffisait pas, hein? Vous ferez des heures supplémentaires, car vous avez un très grand cœur, ça je sais. Et si vraiment la politique vous intéresse, eh bien parlons-en. Adélard Godbout, le chef libéral, vient de promettre d'accorder le droit de vote aux femmes, comme au fédéral. Mais ça, c'est une très grave question. Discutons-en. Ah, oh ben ça, c'est le bout. Le vote des femmes, hey! Elle peut discuter du vote des femmes, mais elle peut pas s'occuper d'élections. Les femmes ont de tout temps représenté une force d'harmonie dans nos vies. Mais faut-il les mêler à nos querelles de parti? J'avoue que ça me trouble énormément. Ouais, mais votre trouble, gardez-les donc pour vous. Si Godbout passe, c'est pas le vote des femmes qu'on va avoir, c'est la conscription. La conscription? My God, quelle fourberie! King et la pointe ont dit et ont répété. Laissez-moi! Enfin, Marie. Laissez-moi maintenant. Une seule femme parmi les 12 apôtres. Peut-on croire qu'il s'agit d'un hasard? Dieu a consacré la femme dans son rôle de consolatrice. Marie-Madeleine, la Vierge. N'est-ce pas infiniment clair? Je n'accepte pas, mon père. Je n'arrive pas à accepter. Je sais bien, ma pauvre enfant. Je sais combien le départ de ce fils qui vous a quitté vous bouleverse. Dieu n'assaille ainsi que les âmes de qualité, celles qu'il a convoquées au feu le plus brûlant de son amour. Et mon devoir est terrible, moi qui l'ai choisi pour vous guider. Comme j'aimerais, ma fille, vous dire des choses faciles. Il ne s'agit pas de ça, mon père, il s'agit d'un petit travail pour gagner un peu d'argent. Et comment sauriez-vous être la bonne mère accueillante pour celui qui a été votre adversaire politique? Vous dites vous-même que la querelle, déjà, divise votre maison. Le cardinal l'a dit. Tout ce débat sur le vote des femmes ne peut que ruiner l'ordre social et démanteler la famille. Mon père, vous m'écoutez pas. J'ai des petits problèmes ordinaires. Des questions d'argent, des questions d'éducation. J'ai des inquiétudes, du chagrin. Tout ce que je veux, c'est d'obéir à l'autorité, oui. Mais je veux surtout régler mes problèmes. Vous n'écoutez pas. Si la pauvreté vous accable, ou le chagrin, justement, vous devez y voir la volonté de Dieu. Manqueriez-vous de jugement, ma fille? Ou ne serait-ce pas plutôt l'astuce d'une grande âme qui, tel Lucifer, ose lutter avec Dieu? Mon père, je viendrai plus à la confesse. Voilà. Voilà enfin que le démon démasque sa présence. Cet ange obscur qui tourmente votre âme et vous attire tous ces malheurs. Priez, ma fille, c'est tout ce que je puis vous dire.
Ça se peut pas que je vous résiste tant que ça. Vous voyez clair dans mon cœur. C'est comme si j'étais rien que du feu en dedans. Émile est sur la mer. Il s'éloigne à chaque minute de plus en plus. À chaque tour d'hélice de son bateau. S'il n'est pas coulé, si les sous-marins l'ont pas vu. En Angleterre, ça va être pire encore. Dans le ciel, en avion contre les Allemands. Protégez-le. Enlevez-lui pas sa vie tout de suite. Oh, c'est un fou, ce gars-là. C'est un fou. Comment il s'appelle? Qui? Monseigneur. Le chanoine Moret. Ça doit être ça. Je me suis juste trompé sa couleur de sa bedaine. J'ai dit que je voulais pas empêcher la famille, mais que il fallait que je fasse quelque chose. L'œuvre-là partie. L'œuvre de chair, puis l'œuvre de chair, puis l'œuvre de chair. Je comprenais rien. Puis choc, hein? Ah, le péché qui s'obstine, la révolte du malin, l'orgueil. J'ai assez peur. Qu'est-ce que vous y avez dit? C'était juste en avant de moi. Vous avez dû y dire quelque chose qui l'énervait bien raide. Ou bien c'était fou. Chut. Est-ce qu'on se connaît? On s'est vu chez Mme Saint-Pierre. Je fais ses mises en plis des fois quand elle est pressée. Mais vous, vous avez pas dû me voir. Je vous voyais en avant de moi, là. Je regardais vos petites épaules serrées, puis je me disais, pauvre petite madame, le Monseigneur l'a toute maganée, là. Puis pour une niaiserie, il n'y a pas de doute. Puis elle, là, elle se torture, là. Vous savez, il n'y en a pas une de claire. Hein? Ma grand-mère disait, le pas du vent, c'est fait pour se mêler. Puis elle confesse pour s'excuser. Qu'est-ce que vous avez? Peine d'amour. Je viens pas ici pour raconter mes histoires à voix haute. Il y en a pas bien des sortes de péchés. Au fond, on le sait bien, il y en a rien qu'un. Et nous autres, on est toujours dedans. Parce que nous autres, c'est l'amour, hein? Ils disent-tu assez? On peut prendre ça comme on voudra, hein? On dit oui, on dit non, c'est jamais correct. Chut! Venez dehors. On se parle. Dieu, pour ma charge, je vais le prier pour la vôtre. Vous devriez venir vous confesser à Saint-Jean-Baptiste. Le curé bien plus smart. Moi, j'en reviens plus ici. Pas question que je gage, all right? Pas question. Là, vous avez peur. À 10 contre 1, là, vous êtes pas ben, ben faro. Radio Berlin citait votre Duplessis hier soir. Un signe de division dans l'Empire, voilà ce qu'il est devenu. Un instrument de propagande entre les mains de Goebbels. Le savez-vous, ça, au moins? Nous autres, on se bat pour l'autonomie. La Confédération, moi, ça me réveille pas toutes les nuits. Mais si vous autres vous y tenez, ben commencez par nous donner le droit de vivre. C'est de ça qu'il s'agit, justement. Vous vivez dans le pays de la liberté. Pour sauver cette liberté, ce droit de vivre. Gagez-vous, là, si vous gagez pas. J'ai promis mon argent à Marie. Et vous aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as, toi? Ben, on s'est fait courir par des soldats. Il y en a plein les rues. On venait de mon cours de piano, puis il y a deux soldats qui se sont mis à nous suivre. Ils parlent anglais, ça fait que nous autres, on leur a pas répondu. Puis rendu au coin de la rue Cartier, il y en a un qui a pris fleur par son manteau puis son foulard. Il essayait de l'arrêter, mais nous autres, on est partis à courir. Ça fait que son manteau, ben il a déchiré, puis le gars, il est parti avec le foulard, lui. Heureusement que le tramway est arrivé, on s'est sauvés, nous autres. Qui c'était, ces gars-là? Juste des soldats comme les autres. C'était pareil la semaine passée, sauf que... Sauf que mon froc a pas lâché.
La seule différence, c'est que c'était marqué Alberta puis pas Voltigeur. Puis de toute manière, c'est du pareil au même. C'est ça, belle dinde, excuse-la. Tu te fais violer sur la rue, à peu près, tu trouves ça ordinaire. Oh non, qu'on a eu peur, mais c'était pas si grave que ça. Il voulait juste qu'on arrête, puis nous autres, ben, on était pressés. Comment est-ce qu'il s'appelait? Ralph. Ralph, parce que je me rappelle, il y en a un qui disait à l'autre Ralph tout le temps. Vous voyez, c'est ça, là, votre liberté. C'est ça que vous appelez défendre la liberté. Alors, les soldats sont pas tous les mêmes, pas tous. Les jolies filles, c'est encore plus attirant au moment de partir pour le front, c'est tout naturel. Mais on va les retrouver, ces gars-là, au moins. Ralph, tu dis? Oui, c'est ça. Avec une badge à Alberta? Mais oui. M'en arrange avec Luigi. Ils toucheront pas à nos femmes, certains. Ils y toucheront plus, on va te le faire passer le coup. Je suis pas votre femme, moi. M'en va te défendre, moi. Je suis pas votre femme, je vous ai dit. Il s'en faut large. Pas peur de ça, je vous ai rien commandé. M'en va me commander tout seul. Posez ça là. Monsieur Roger Rioux, de l'Union nationale. De Limoilou, plus que de l'Union nationale. Bonjour. Bonjour. C'est juste une petite job de chauffeur que mon oncle Ephraim m'a trouvé. Monsieur Rioux étudie à l'Académie commerciale en comptabilité. C'est fort intéressant. Moi, c'est l'aviation qui m'aurait intéressé, mais mon oncle Ephraim dit qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il paye mon cours à l'Académie, puis moi, je travaille à son entrepôt par les soirs. J'étudie quelque chose qui... Votre char de l'Union nationale, y est-tu libre? Ben, si je peux vous être utile? Oui, il y a un gars de l'Alberta qui s'appelle Ralph, puis il faudrait que je le retrouve. On sait pas trop ce qu'il est, mais il doit être en quelque part dans une taverne. Me donneriez-vous un coup de main? Certain. N'importe quoi pour vous être utile, si Mme Rousseau le permet. As-tu fini avec lui? Pour ce soir, oui. Bon. Le temps. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu mal pour vous, Marie. C'était comme si Émile était revenu soudain. Roger est un garçon très différent. J'ai eu honte, savez-vous. Émile est si farouche en comparaison, si sauvage. Il y a quelque part où j'ai manqué. J'ai pas su l'éduquer aussi sereinement. Ah, il faut que je vous gronde. My God, Marie, je vais même devoir vous gronder deux fois. D'abord pour avoir accepté ce travail-là, l'Union nationale. Et aussi pour toujours vous remettre en question, là, si cruellement. On parle plus de mon travail, Tancrède, ma décision est prise. Quant au reste, vous pouvez me gronder tant que vous voudrez. Vous m'êtes toujours de si bons conseils. Non, parce que c'est sur cette question plus importante que toutes les autres, vous ne voulez même plus m'écouter. Croyez-vous en Dieu, Tancrède? Certainement. J'ai vu la mort de trop près, my God. On ne peut pas faire une guerre et rester un croyant. Cet après-midi, j'étais dans une grande détresse. Et j'ai prié Dieu de m'envoyer un signe. Et savez-vous, il y avait là une simple femme, une coiffeuse, qui s'est mise à me parler, comme on fait jamais. Si simplement, avec une telle évidence. Et tout à coup, j'ai vu. J'ai vu que personne pouvait décider pour moi. J'ai vu que j'étais seule à vivre ma vie. Et j'ai vu que je serais seule à porter la responsabilité de mes actes. Alors, je me suis rendue au quartier général de l'Union nationale. Le monsieur qui m'a reçu comprenait rien à ce que je lui racontais. Je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin de travailler. Je connais rien en politique et je veux pas compromettre ma famille. Alors, il m'a dit, es-tu capable de faire des expéditions? Il m'a tutoyé tout de suite, voyez-vous. J'ai trouvé que c'était très bien. Alors, j'ai dit oui. Bon, ben tu vas expédier des lettres de Baillargeon à tout le monde que tu connais. Puis après, tu vas aller les voir pour leur demander s'ils l'ont bien reçu. Discute pas. Fais juste leur rappeler où tu restes et comment ton mari s'appelait. Il vous utilise, my God, il utilise le nom de George. Mais non, il a dit discute pas. Si tu vires au rouge, t'as qu'à le dire autrement. Tu peux rester neutre et gagner ta vie. Nous autres, on n'a pas honte de ça, le monde qui a besoin d'argent. Mais c'est ridicule, Marie. Comment ne le comprenez-vous pas? Georges s'est battu pour l'Empire en 14. J'ai moi-même sacrifié l'usage de ma jambe. Vous n'allez pas nous renier tous les deux.
C'est très grave, cette élection. Les enjeux touchent les fondements même de la civilisation. Cher Tancrède, vous êtes en train de me transformer en rempart de la civilisation. Je suis une pauvre fille de Sainte-Agathe, un peu perdue dans Québec, et qui a des petits problèmes bien ordinaires. Vous m'avez aidé plus que personne. Aidez-moi encore. Tolérez que je fasse ce que je crois bon pour moi, même si vous n'êtes pas d'accord. Je vous combattrai donc, ouvertement. Je discuterai vos opinions, vos activités, puisque c'est cela que vous souhaitez. Et pour le reste, vous pouvez compter sur ma fidélité. Je sais. Peut-être même que je le sais trop. Méfiez-vous, Tancrède, je peux très bien abuser de vous sans même m'en apercevoir. Ça. Oh, Sainte-Toupie, on peut plus se fier à personne. Oh. On les a trouvés, Ralph et l'autre, là, il était au Clarendon. Je suis allé avec Louis Guy, ton chauffeur, là, puis le gros loulou du château. Ah, ça n'a pas pris une minute qu'on s'est reconnus tout de suite, là, Ralph puis moi. Seulement, tout le régiment était là. L'Alberta au grand complet. T'aurais dû voir ça. Oh, oh. Il est pas pire, ton petit chum, là, le gars de l'Union nationale. Il cogne fort puis encaisse bien. Seulement, le mon Louis Guy qui se met à crier au bout de cinq minutes. Let's drink first, we fight after. Faut dire que le sang il pissait au bout du nez. En tout cas, ça n'a pas pris une minute que tout le monde était chum, chum, chum. Quand je suis parti, Louis Guy chantait avec Ralph. It's a long way, contemporary. Sainte-Toupie. Vraiment, il n'y a plus rien à comprendre. Hey, quand je peux plus compter sur Louis Guy, faut que ça soit rendu grave. Le croiriez-vous, mon brave? Nous avons aujourd'hui tous les deux connu la défaite. Nous sommes devenus des compagnons d'infortune. Alors, c'est nous qui devrions boire ensemble. All right, hein? Un bon scotch et peut-être quelques petites considérations électorales. Qu'est-ce que vous en dites? Allons-y.